Bonjour à tous les tennis addicts, voici notre test de la nouvelle Yonex V-Core 98. Il s'agit de la 7e génération de raquettes orientées prise d'effet de la marque japonaise. Toujours avec une dominante de rouge, Yonex a modifié pas mal de choses sur cette version que nous allons étudier en détail. Avant de parler plus précisément de cette V-Core, attardons-nous sur la gamme Yonex dans son ensemble. Nous avons d'un côté les V-Core Pro, qui sont les cadres les plus précis disponibles. De la V-Core Pro 97, en passant par la V-Core Pro 100, un peu plus tolérante, ces raquettes offrent souvent un excellent toucher de balle avec un haut niveau de précision. À l'opposé, la série E-Zone est le best-seller de la marque. Ce sont les cadres qui procurent le plus de puissance facile, avec un confort remarquable. Et finalement, un peu entre les deux, les V-Core qui permettent de conserver suffisamment de contrôle sans trop sacrifier la vitesse de balle. E-Zone et V-Core offrent des tamis 98, 100, avec plusieurs déclinaisons de masse. L'identité Yonex est toujours immédiatement identifiable. La forme de tamis unique, qu'ils appellent isométrique, est censée agrandir la zone de frappe et augmenter la tolérance. C'est assez simple à vérifier, on a en effet un cadre plus large en zone supérieure, comme si l'intégralité du tamis était plus grande. Les V-Core 2023 sont également élargis au niveau des coins supérieurs, à 10h10. Une partie du graphite utilisé est du 2G NAND FlexForce, avec une distribution des fibres de carbone qui optimise la flexion et le retour d'énergie. On garde le matériau amortissant VDM au niveau du manche pour filtrer et absorber les chocs. La forme du cadre est travaillée aérodynamiquement pour accélérer la tête de raquette, même si le design est moins marqué que sur une Babola Pure Aero par exemple. Le cœur de la raquette a été redessiné avec une modification des sections afin de rigidifier cette zone et augmenter la résistance à la torsion. Théoriquement, on perd moins d'énergie. Dernière innovation, les nouveaux œillets, ils intègrent du silicone pour faciliter le mouvement de la corde lors de la frappe et ainsi améliorer la prise d'effet. Et ils sont rouges, assortis au cadre. À la fin, Yonex annonce les gains suivants. Une tolérance accrue de 1,9%, des trajectoires plus bombées, plus 3,6% en hauteur, plus 1,8% en rotation de balle, et une vitesse de tête de raquette plus rapide. Le Made in Japan et la qualité de fabrication Yonex nous assurent de ne pas avoir de mauvaises surprises entre les spécifications théoriques et la raquette du commerce. Yonex est clairement la marque qui respecte le plus les valeurs d'usine d'ailleurs. Notre exemplaire était exactement à la masse et à l'équilibre annoncé, 305 g et 315 mm. Nous avons mesuré l'inertie à 292 kg par cm² et la rigidité à 64 RA, quasiment identique à la version 2021, cela dit en passant. On a toujours un plan de cordage en 16-19, très standard. Nous avons fait essayer à plusieurs occasions cette V-Core 98, aux habituels testeurs de Tennis Addict, mais également lors d'une journée organisée par Yonex, au tennis club de Hillkirch, à côté de Strasbourg, et avec un très grand champion, aujourd'hui ambassadeur Yonex, Paul-Henri Mathieu. Esthétiquement, elle est plus clivante, surtout avec son bumper rouge. Certains aiment ses couleurs un peu vintage et le côté bariolé rouge et bleu, d'autres sont moins convaincus. La V-Core 98 offre toujours un subtil mélange de précision et de prise d'effet. Il est nécessaire de bien s'engager pour déborder ou pour générer une balle suffisamment lourde pour gêner l'adversaire. On a parfois l'impression que la puissance est en baisse par rapport à la version précédente. Globalement, cette puissance nous a semblé un peu juste par rapport à son positionnement et à la présentation de Yonex. Dans tous les secteurs du jeu, elle répond présente. Les volées sont efficaces avec du tranchant et une précision de haut niveau. En fond de court, on profite de sa polyvalence pour jouer relâché et varier les types de frappes. Stable, elle est peut-être un peu moins maniable que sa devancière. L'inertie mesurée était un petit peu en hausse, plus 7 kg par cm² non cordé. Elle nous a également semblé un peu plus raide en tête de raquette, avec, dans le cas des décentrages, un peu moins de confort. Les sensations sont un peu plus franches, moins feutrées, et ce, malgré une rigidité mesurée en légère baisse. Pour un cadre orienté prise d'effet, on trouve chez la concurrence des cadres plus efficaces, comme la Head Extreme Tour
la Babolat Pure Aero 98 ou la Dunlop SX 300 Tour. On pourrait ainsi dire que c'est la plus précise des raquettes destinées à imprimer du lift. Et on a finalement davantage de similitudes avec une Babolat Pure Strike 16-19. On peut néanmoins regretter que Yonex ne différencie pas davantage les iZone et les V-Core sur ce tamis 630 cm². Les deux modèles sont en effet très proches et cette année on a trouvé la iZone un peu plus homogène. Alors que sur la génération précédente, la V-Core ressortait globalement plus agréable, avec un meilleur toucher et avec tout autant de puissance. On aurait par exemple aimé une iZone 98 bien plus puissante que la V-Core 98. Nous ne saurions trop vous conseiller d'essayer en parallèle ces deux raquettes, qui sont toujours des références dans la catégorie polyvalence pour les joueurs de fin de troisième série et au-delà. Rien à dire sur les performances intrinsèques de la raquette, cette V-Core 98 est efficace. C'est plus dans les sensations que l'on note des écarts d'appréciation. Les joueurs qui découvrent ce modèle pour la première fois sont souvent très positifs. La sixième génération nous semblait un peu plus confortable avec un meilleur toucher. Ses points forts sont clairement le ratio puissance-précision, ainsi qu'une bonne maniabilité. Les points en retrait, on manque un peu de puissance et donc de prise d'effet, et on aurait aimé davantage de feeling dans le petit jeu. Cette V-Core 98, édition 2023, s'adresse aux compétiteurs fin de la troisième série minimum, avec un niveau physique de bon niveau. Il vaut mieux posséder des gestes fluides et amples pour garder une bonne longueur de balle et non une gestuelle compacte. Homogène, les joueurs au style polyvalent, en cadence, contreur ou même frappeur auront une belle arme entre les mains. Et ce n'est pas PHM qui dira le contraire. Bonjour Paul-Henri. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Alors explique-nous un petit peu la vie d'un champion après le tour, c'est comment ? La vie d'un champion après le tour, c'est assez occupé. Aujourd'hui, je travaille à la Fédération Française de Tennis en tant que responsable de haut niveau. J'ai un peu le trait d'union entre les joueurs du circuit et la Fédération. J'ai un œil aussi sur les plus jeunes qui s'entraînent au Centre National d'Entraînement. Sinon j'ai d'autres activités aussi, à droite, à gauche, toujours en lien avec le tennis, parce que c'est une passion depuis tout petit et ça le sera jusqu'à la fin de mes jours. On se rappelle de toi donc sur le tour avec de grands exploits, de grands moments, on a tous vibré. Est-ce que tu avais un rapport particulier avec le matériel à l'époque ? Oui, j'avais un rapport particulier avec le matériel parce qu'on est très sensible effectivement, que ce soit au choix de la raquette ou au choix du cordage ou à l'équilibre de la raquette. Effectivement, parfois quand on change de surface, on essaie de changer de cordage, de changer de poids de raquette, d'équilibre. Donc j'ai toujours été sensible de ce côté-là. Avec quoi tu jouais à l'époque ? Alors j'ai joué un peu avec toutes les raquettes. Moi j'ai commencé en étant très jeune, j'ai joué avec Prince, après avec Wilson, avec Babola, et je suis retourné avec Wilson. Voilà, mon grand regret, j'ai joué avec Yonex seulement après ma carrière. Voilà, la raquette que j'apprécie particulièrement. Forcément, en termes de cordage, j'ai joué avec du polymono tout jeune. Ensuite, j'ai joué avec du boyau BDE pendant très longtemps. Et ensuite, j'ai joué avec du Alu Power, voilà, du Luxilon. D'accord. Comment tu vois l'évolution du matériel finalement sur le tour aujourd'hui ? C'est des raquettes qui sont de plus en plus puissantes. Voilà, effectivement, il y a une vingtaine d'années, on jouait très régulièrement avec des raquettes qui avaient 18 montants. Aujourd'hui, la norme, c'est quasiment 16 montants. Voilà, donc les cordes sont un petit peu plus écartées, donc il y a plus de puissance. Les cordages aussi sont plus puissants. On arrive aussi à gratter plus la balle, donc il y a plus d'effet. Donc les raquettes sont aussi plus légères. Avant, on jouait beaucoup plus lourd. Était à combien ta raquette ? Moi, j'ai commencé à 370 grammes et j'ai fini ma carrière à 350. Bon, aujourd'hui, je pourrais tout à fait jouer avec une raquette aux alentours de 305-310 grammes. Alors, aujourd'hui, tu disais que tu jouais avec une raquette Yonex. Tu es l'ambassadeur de la marque. Pourquoi ce choix ? Alors, pourquoi ce choix ? Parce que je trouve que c'est les raquettes les plus faciles à jouer, les raquettes que je préfère aujourd'hui, de loin. Donc, je joue avec la V-Core 98. Voilà, c'est une bonne raquette intermédiaire parce que c'est une raquette qui prend bien les effets, qui a de la puissance, qui est très agréable et facile à jouer. Donc, ça me convient parfaitement pour mon jeu d'aujourd'hui. Dans l'équipe Yonex, on voit qu'il y a quand même plein de joueurs, de grosses stars. Quel est celui ou celle qui t'impressionne le plus aujourd'hui ? Alors, il y a de plus en plus de joueurs effectivement qui jouent à Yonex, même dans les catégories plus jeunes. Alors voilà, sur le très haut niveau, il y a Rude forcément parce qu'il était tout proche de devenir numéro 1 mondial et de gagner un grand chelem. Voilà, c'est un peu plus difficile pour lui en ce début d'année. Mais là, il est en demi-finale de Rome, donc il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Ensuite, il y a toujours un petit peu cette incertitude et cette folie chez Nick Kyrgios. On attend toujours que sur une semaine, 15 jours de grand chelem, qu'il puisse en gagner un. Donc tant qu'il jouera, on va penser que
que c'est possible. Voilà, et ensuite, derrière, ça pousse aussi chez les plus jeunes, mais je pense à Shelton, je pense aussi à Tommy Paul, les Américains qui arrivent en force. Il y a Tiafoe aussi qui joue avec Yonex. Il y en a quelques-uns. Ça fait une belle équipe. Enfin, une belle équipe. Hein. Alors, si on tient compte de l'actualité, il y a le forfait de Rafa à Roland, Świątek qui est un petit peu en dedans ou blessé peut-être. Quels seraient tes favoris finalement pour cette édition 2023? Ben, c'est sûr, sans Rafael Nadal qui joue à Roland-Garros, c'est difficile d'en sortir un. J'aurais eu tendance à dire tout de suite Alcaraz. Voilà, mais il a perdu la semaine dernière contre le 130e, donc ben, ça montre qu'il est aussi vulnérable comme tout le monde. Donc ça montre que le tournoi est très ouvert. Voilà, quand Rafa ne joue pas à Roland-Garros, ben, tout le monde peut le remporter. Voilà, Djokovic n'a pas énormément joué là, depuis le début d'année. Même s'il joue bien, il n'a pas forcément des victoires référentes. Alcaraz numéro 1 mondial, bien évidemment, on attend qu'il gagne Roland-Garros, mais il y a Tsitsipas aussi qui est présent. Il y a Rune aussi qui a fait quart de finale l'année dernière à Roland-Garros en étant très jeune, qui a gagné énormément de matchs cette année. Tsitsipas aussi qui est là au contact, donc ça va être une édition vraiment très ouverte. On voit que tu es très au courant, tu suis énormément le circuit. Est-ce que coach, ce serait une carrière qui t'intéresserait ? Alors j'aime bien coacher, en tout cas coacher, donner des conseils aux plus jeunes par rapport à l'expérience passée que je peux avoir. Ensuite, coacher à plein temps, non, pas forcément, parce que ça impliquerait de voyager à nouveau quasiment à plein temps, parce qu'aujourd'hui, si on veut faire le métier de coach, c'est entre 25 et 35 semaines de déplacement à l'année. Donc c'est un petit peu trop pour moi aujourd'hui. Mais en tout cas, de distiller des conseils auprès des jeunes, des plus jeunes, ou même des joueurs du circuit sur une dizaine, voire quinzaine de semaines à l'année, ça c'est quelque chose qui est envisageable et que j'essaie de faire en tout cas aujourd'hui au quotidien. On a vu que c'était naturel et tu as été plébiscité par les enfants. Merci beaucoup, Paul-Henri. Merci à vous. Moins d'un mois que j'ai changé de raquette là, depuis qu'on a eu le sponsor avec Yonex, j'ai testé. J'ai mis deux trois séances à m'habituer vraiment, parce qu'avec le tamis un peu différent, la forme de la raquette. Mais c'est une raquette qui, une fois qu'on est habitué, au niveau du plan de frappe et tout, c'est vraiment chouette. Quand on arrive à être... parle de la Vécor 98. Ouais, la 100. Moi j'ai la Vécor 100. Tu joues avec la 100, d'accord. J'ai la 100, ouais. La Vécor 100. Et tu jouais avec quelle raquette auparavant? J'avais la Wilson Ultra. Wilson Ultra. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu en termes de ressenti, parce que je pense que c'est assez différent quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors, en termes de ressenti, ce que j'ai, c'est que la balle, j'ai l'impression qu'elle sort beaucoup mieux de la raquette. J'ai l'impression que j'ai pas besoin de forcer, ça sort vraiment bien de la raquette. Quand on est placé, bien ajusté, on a le bon timing, ça sort vraiment facilement de la raquette. Donc ça, c'est hyper agréable. Et il y a une bonne maniabilité quand même. Donc ça sort bien de la raquette, mais ça vole pas dans tous les sens non plus. On garde quand même un peu de contrôle. Et ça permet, pour moi qui joue avec un peu de volume et un peu de lift, ça prend hyper bien et ça retombe bien dans le terrain, donc ça c'est vraiment agréable. Et toi Nathan, tu peux nous dire un petit peu tes impressions, parce que je crois que tu joues avec une Pure Strike. Ouais, je joue avec une Pure Strike et je viens juste de tester la 98 pour le coup. Et dès le premier coup de raquette, tu sens un sentiment de contrôle. Au moment où tu frappes dans la balle, tu sens le contrôle, c'est incroyable. Elle est très très confortable et très maniable à la fois. Je dirais que s'il y a un point faible à donner, j'aurais dit que la puissance est un peu... On parle de la 98. Hein, voilà, on parle de la 98. Qu'elle est un peu en dessous. Mais par contre, le contrôle, le sentiment de contrôle quand tu frappes dans la balle est bien au-dessus. Tu avais déjà joué en Yonex, je crois, avec des Vécor Pro, c'est ça? Ouais, je jouais avec la Vécor Pro 97. Et là, pour le coup, on se retrouve beaucoup dans le confort et le contrôle de la balle, avec un petit peu plus de puissance du côté de la Vécor 98 par rapport à la Vécor Pro 97. Merci les gars. Merci.